les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'une map qui est donc un petit coin de campagne comme vous pouvez le voir ici by Arsenic Modding, donc la map de Arsenic Modding qui était pas mal attendue par beaucoup de personnes. Alors vraiment une très très jolie map, un grand bravo à Arsenic Modding et à tous les gens qui ont participé à cette map, à la création, enfin qui l'ont aidé, etc. Après je sais pas vraiment qui. C'est tout marqué donc sur l'écran que vous voyez en face de vous. Donc ça défile et tous les noms de ceux qui ont participé à la map. Donc pour les tests, etc. Je sais qu'il y a ClassDX69 qui a fait pas mal de vidéos dessus, qui a présenté la map. Donc voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation de la map. Petite présentation de la map, donc comme vous voyez, c'est tout marqué. Pour ceux qui ont déjà joué, commencé à jouer dessus, vous avez peut-être vu l'écran. Donc il y a la PLF, Melvin Brot, la LS Mining Pix, et tous les créateurs d'objets ou de scripts. Voilà, après, Arsenic a fait une présentation, il remercie tous les gens. Donc là, on est au corps de ferme. Donc voilà le corps de ferme, donc Arsenic a pas mal présenté déjà, donc là vous avez pour voir, oui, vendre les véhicules il me semble. Les configurer, etc. Là on peut vendre la paille, ici on a les lapins, donc les petits lapins qui sont bien évidemment à nourrir. Je sais plus exactement, ah bah c'est marqué là, c'est où, là. Vous mettez de l'eau et du maïs et ça vous fait des lapins. Ici, station d'engrais liquide, engrais solide. Là, le stock à céréales. Donc ici, les bâtiments de stockage. Ici, on a pour les semences. Donc là, pareil, un des petits bâtiments pour ranger le matériel. Petite pépite là, hop. Ici, donc voilà, un petit endroit sympa. Il y a pas trop de stockage à la ferme, mais bon, il y a déjà ce qu'il faut. Ensuite, en face, vous avez... Alors, allez, ouvre-toi. Non, ça veut pas s'ouvrir. Ah, si, c'est bon. Hop, donc là, ici, vous avez les vaches, pardon. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Eau, paille, herbe, full alimentation, le liquide manure et le compost. Oui, le compost. Donc voilà, petite tabule sympathique, le lait. Est-ce qu'on peut ouvrir la trappe là, non? Je sais pas. Je sais pas si ça s'ouvre. C'est la porte, ça. Non, ça s'ouvre pas. Ok. Silo dans silage, je suppose. Oui, c'est ça. Donc voilà, bâtiment de stockage. Donc ensuite... hop, on va aller... Alors attendez, j'ai commencé sur la map, mais je connais pas tout ce qu'il y a à faire sur la map. Donc on va aller aux cochons et aux moutons qui sont ici. Hop, donc là vous rentrez ici. Voilà. Je vais vous enlever ça. Donc là c'est quoi? Donc la palette de laine. Donc de l'eau et de l'herbe bien sûr. Donc le stockage, Non, c'est pas du... Si c'est du stockage. Donc en plus sur la map en animaux il y a les oies, comme vous voyez. Donc pour les oies, il me semble qu'il faut... On va aller voir, c'est tout marqué de toute façon. Normalement, je sais pas où c'est par contre, ça doit être là. Non, non c'est pas là. C'est pas marqué ce qu'il faut pour les oies. Où ça peut être marqué? Ouais, c'est pas marqué, c'est bizarre, je sais pas. Ah si, voilà. Donc de l'eau, maïs, et ça nous fait des oies. Ensuite là, on a les cochons. Hop, stabule à cochons. Voilà, là, un petit abri. Ouais, il y a pas mal de petits abris. Je découvre en même temps que vous, j'ai pas encore tout vraiment fait le tour de la map. Donc alors ici, il faut de l'eau, de la paille, du maïs, du blé, colza, pommes de terre, liquide manure et donc du compost. Ici, ben ça je l'ai déjà dit. Donc voilà pour ça. Ensuite on va aller ici, qui est... on rentre par là.
Ça, c'est un point de vente. Ah non. On peut faire autre chose ici. Alors, c'est marqué où? Je sais pas du tout où c'est marqué, par contre. Où c'est que c'est marqué? Je sais pas. Alors là, je sais pas du tout. Alors, avec la map, il y a le Fabric Script. Donc, la table, enfin, la farming tablette. Donc, alors, attendez. On est là, au 15. Qu'est-ce que ça peut être, le 15? Moulin de blé, là, coopérative, tac, tac, les frites, là. Ah, on est à l'usine à sucre, d'accord. Ah oui, d'accord, donc on met des betteraves et ça nous fait du sucre, ok. Donc comme je dis, hein, je découvre en même temps que vous, donc voilà, je fais le tour avec vous de la map, j'ai encore pas tout visité. Donc là, je crois que c'est où on fait le raisin. Coopérative viticole, ce qui est plutôt sympathique. Donc là, apparemment, c'est de l'eau. Ça s'ouvre pas, d'accord. Ouais, je sais pas trop ce qu'on peut faire là. Ok, ah bah là, c'est ouvert, d'accord. Bien sympathique, bien sympathique, bien sympathique. Ensuite, bah voilà, c'est tout. Donc il nous faut des palettes de sucre, donc de l'eau. Des palettes de raisins, des palettes de raisins blancs, et ça nous fait des tonneaux de vin. D'accord. Ça, j'avais vu sur la présentation de Sonic. Ok. Vraiment sympathique. Alors ensuite, si on continue, petit coup de sauvegarde. Là, on a un petit lac, d'accord. Ok. Ok. Alors, hop. Bon, j'y vais à pied, tout simplement. Ça m'évite de prendre un véhicule. Donc sur la map il y a la boue, les missions, on peut tout faire dessus. Enfin la map est vraiment complète quoi, et il y a zéro erreur dans le log. Pour ceux qui ont vu la présentation d'Arsenic, il le dit bien, il y a zéro erreur et il y a vraiment zéro erreur. Oh, j'avais pas vu ça. Usine de Cronenbourg, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut ici? Donc il faut du blé, ça nous fait des palettes de farine d'orge. Blé, palette de farine d'orge, d'accord, c'est tout pareil en fait. Ça on peut pas ouvrir. Non, les portes elles s'ouvrent pas. Ok. Ah d'accord, c'est tout marqué là, donc il faut du blé, du maïs et de l'orge. Ça c'est quoi? Ah oui, du maïs, ok. Stockage de maïs. Et donc là il faut de l'eau, du blé et de l'orge, ça nous fait de la bière. Ok. Ça c'est vraiment sympathique. Hein. Franchement, un gros bravo à Arsenic, je pense pas qu'il regarde ma vidéo, mais vraiment bravo à toi, GG à vous. À tous ceux qui ont aidé à participer à la map, bien sûr. Donc là, on est au magasin. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà commencé à préparer le matériel. Je suis en train de semer d'ailleurs un champ, enfin l'ouvrier. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Un poste, ok, ah, une pépite. Hop. Là c'est quoi? Je sais pas, une pépite là. Hop. Tac tac. Là. Ouais, c'est des petites maisons sympathiques. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oula, ça lague un peu. Ah, donc là c'est un deuxième corps de ferme. D'accord, on peut. Ouais, pas mal. Bien, bien. Ça, c'est quoi? L'engrais, ok. Le gasoil. Là, c'est la lumière. Là, c'est donc des silos. Ouais, c'est un peu le BG1 en fait, là. D'accord. Ok, pas mal. Moins sympathique. C'est quoi ça? Ça doit être un point de vente. Ouais, ça c'est un point de vente. Ok. J'avais vu autre chose là-bas. On va retourner par là. Hop. Alors, passer où on est venu. Tac, tac. Voilà. Alors ici, donc la raffinerie, on produit notre carburant. Parce que, comme Arsenic a dit dans sa présentation, il y a beaucoup d'usines qui fonctionnent avec le gasoil, dont le compost, il y a beaucoup de choses. Et je sais pas s'il faut pas qu'on produise le gasoil
pour nous-mêmes, pour la ferme. Je sais pas, à essayer. Donc ça, à voir après, par la suite. Ici, c'est quoi? 10, c'est quoi ça? McCain. Ah, donc là, c'est où on produit donc des frites. D'après ce que je vois, ça doit être écrit. Voilà, donc on met des patatos, des patates, ça nous produit des frites, impeccable. Nickel. Donc comme vous voyez, il y a la boue sur la map. Il a mis la boue. Alors là, on va ouvrir là. Hop, donc là, carburant, ok. Donc là, vous vendez les palettes de laine. Ici, tous les fruits. Donc comme il a dit dans sa vidéo, il n'a pas mis tous les panneaux des fruits. Il y en a pas mal. Ici, on vend le lait. Ici, il me semble que c'est la paille. Non, les animaux. Pardon. Ici, un point de vente. Ah, y a une pépite là, je crois. Nickel. Allez, donne-moi ça. Par contre, ça ne va pas tarder de s'afficher. Parce que je sais pas, j'en suis à 7. 8 maintenant. Encore 2 et ça va tout s'afficher. Ok. Ici. Bah, c'est un point de vente du bois, d'accord. Je crois qu'il y a la scierie fonctionnelle sur cette map aussi. Il me semble. Ah oui, elle est là. Voilà. Je crois que c'est ça. Ouais. Carburant et du bois, et ça nous fait des copeaux et des planches de palette. Ok. Ok, nickel. Voilà, donc on peut se faire une petite scierie ici. Après, si on continue. Donc là, je crois qu'on. Bassin de flottage. On peut vendre le bois là, d'accord. Donc là, on a l'usine à soja. Je vais pas vous la présenter, tout le monde la connaît maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On met des planches, ça nous produit des palettes, ok. Ici, on a les serres. Donc voilà les fameuses serres. Donc ça, c'est quoi? Il est où le panneau? Là. Ça, il faut des palettes, de l'eau, du compost, ça nous fait des tomates. Ici, la même chose, et ça nous fait des palettes de laitue, donc de salade. Ici, ça nous fait des palettes de fraises. Ici, ça nous fait des palettes de framboises. Ici, ça nous fait des palettes de chou-fleur, d'accord. Et là, c'est du chou rouge. Ok, impeccable. Donc voilà pour ça. Donc là après il n'y a plus rien. Petite forêt. Je pense qu'on peut couper les arbres ici. Petit pont bien sympathique. Donc on continue les amis. Donc je fais un peu le tour rapidement. Il y a déjà eu des, je pense qu'il y a déjà eu des présentations. Arsenic a déjà fait des vidéos dessus. Donc je vais pas tout refaire. Je vais pas tout refaire. Ici, alors ici on arrive au raisin. Donc ici, vous mettez de l'eau, du fertilisant. Il me semble que c'est du fertilisant liquide ou solide, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Ça doit être ça. Je crois qu'Arsenic il a montré. C'est. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Donc c'est du solide qu'il faut. Donc on le met dans la remorque et on y emmène. Palette de raisin tout simple. Et là, c'est le raisin blanc. Non, c'est pas celui-là. Raisin. Si, c'est celui-là. Raisin blanc. Ça, c'est le raisin rouge. D'accord. Donc de l'eau, du fertilisant, et ça vous fait du raisin, tout simplement. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va continuer. On va retourner par là. Je sais pas ce que c'est ici. Hop. Wow, ça lag pas mal ici. C'est quoi ça? Ici, on met des palettes de l'eau, du compost, ça nous fait des palettes de pommes, d'accord. Ah oui, j'avais pas vu les arbres. Bien, bien, sympa. Ici, ça nous fait des palettes de poires, ok. Ensuite, on va aller hop, par là. Ah bah là, donc c'est la pisciculture, d'accord. Donc là, on passe là. Dommage qu'il n'y a pas de boue, enfin, il n'y a pas trop de boue, quoi. Alors là, on arrive donc à la pisciculture, donc tout le monde la connaît, hein. Donc du maïs, du blé, de l'eau, et ça nous fait du poisson. Ok. Donc ça, on est bon. Maïs, du blé, du poisson, d'accord. Ok. Oh, ça lag pas mal par ici, par contre. Je pense à toutes les usines aussi. Il y a beaucoup de décors. Alors ici, on a quoi? Tac, tac. Il est où le panneau?
Là. Donc là, on met du lait, ça nous produit du beurre et du fromage. Ok. On peut rentrer là-dedans. Putain, c'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Franchement, c'est magnifique, quoi. La map est vraiment belle, vraiment jolie. Je vous dirai ce que je vais faire dessus après, de toute façon. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc on met des palettes de lapins et ça nous fait des lapins palettes. Ouais. D'accord. Ça nous fait des lapins palettes. Oh, il n'y a pas un problème de lumière là par contre. Ah, là on met des palettes d'oies, ça nous fait des oies palettes. D'accord. Ici, on prend le petit chemin là. D'accord. Là on a encore des arbres apparemment. Des palettes d'oranges, d'accord. Ici. Excusez-moi les amis. Là c'est des cerises, donc palette de cerises, donc palette au compost, hein, comme tout à l'heure. Ça n'a pas changé. Ici, palette de prunes. Ok. Et ben je crois qu'on va avoir fait le tour. Là-bas on a fait. Donc ouais, on a fait le tour de la map. Il me semble. Ouais, on a fait vraiment le tour, on a tout regardé. Là c'est les. Ouais, le raisin on a déjà vu. Et là, bah, on retourne à la ferme après. D'accord. Là-bas, on a vu ce qu'il y avait là-bas. C'est quoi qu'il y a? Ouais, ça c'est la raffinerie, d'accord. Ok, là, on a vu. Ensuite, là, ouais. Ouais, bon, on a tout vu, les amis. Je vous ai montré un peu toutes les fonctionnalités, donc je vais vous remontrer. Alors, hop, il en est où lui? Il a fini? D'accord. Ok, impeccable. Donc alors, vous faites. Par contre, bon, font descendre du véhicule, contrôle W. Donc ça, c'est pour les animaux. Il y a 25 œufs, j'en ai ramassé 14, d'accord. Donc là, vous verrez les animaux quand vous en aurez. Donc là, on a tout ce qui est usine. Donc on va reprendre depuis le début. Donc usine à soja, la raffinerie, le compost. D'ailleurs, on n'a pas vu le compost. Où c'est qu'il est, le compost? Le compost, il est où? Il est là. Alors attendez, on va vite fait aller voir le compost. Il doit être par là. Ils disent qu'il est par là. Ah, il doit être là. Quelque part par là. Ah, il est là. Voilà. Ok, je vous avais pas montré le compost, excusez-moi. Donc voilà le compost. Hein, ça, c'est classique, hein, maintenant. Il y est sur beaucoup de maps. Je pense qu'on a fait vraiment le tour sur. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose ici, mais non. Ça, c'est le compost, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là, ici? C'est quoi ça? Je vais pas prendre le pépite parce que sinon ça va me. Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Ça dit qu'il y a une usine ici, non? Ah oui, ici, il y a quelque chose. Artisan boulangerie. Palette de farine d'orge, palette de farine blé, palette de farine de maïs, réservoir d'eau, ça nous fait du pain, d'accord. Ok. Donc voilà, on avait oublié ça, excusez-moi. Alors, hop, on va s'en remettre là. Donc alors, on reprend ça. Donc le compost, on a usine à bois, production de palettes, les serres de tomates, les serres de laitue, choux rouges, choux-fleurs, framboises, fraises, brasserie, le moulin à blé, moulin à orge, le moulin à maïs. La boulangerie, la coopérative, la pisciculture, fromage, prune, cerise, orange, poire, pomme, raisin, raisin blanc, frites, sucre, les lapins, les oies, boucherie pour les oies et les boucheries pour les lapins. Donc voilà, après vous pouvez. De toute façon, le pack est fourni avec tout ce qui va avec. Les fabriques scripts et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Voilà, tout ce qui va avec la map est dans le pack, donc vous retrouverez le lien de la map dans la vidéo d'Arsonic Modding, dans la vidéo présentation. Je vous mettrai pas le lien de la map parce que je sais pas si je peux, je sais pas, je verrai. Mais le lien dans la vidéo de Arsonic Modding, dans la vidéo de présentation de la map, donc à vous d'aller voir sa vidéo.
Il explique mieux que moi toutes les fonctionnalités, bien sûr, c'est sa map. Moi, je connais pas tout. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, en ce qui concerne la vidéo. La vidéo. Cette map, je vais faire une aventure dessus, bien évidemment. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé. Je joue avec le Season Manager. Donc, ce sera une carrière assez réaliste. Je vais essayer. Pour l'instant, je joue avec le Season Manager. Je verrai après si vraiment ça me gonfle. Parce que celui-là, je l'ai trouvé sur un site, sur les sites de mode. Et d'après ce que j'ai entendu, il est buggé sur les sites de mode. Ils ont fait exprès de le bugger, je sais plus d'après ce que j'ai compris. Donc je sais pas si je vais continuer à jouer avec ou pas, mais pour le moment, j'ai pas vraiment de bug, donc je vais jouer avec. Et on verra si ça le fait bien ou pas. Donc du coup, faut que je sème. Bien sûr, quand vous arrivez sur la map, vous avez tout. Comment vous dire, tout fonctionne, enfin tout fonctionne, pas tout fonctionne, il y a les champs, il y a des champs de semer. Moi je n'ai aucun champ de semer quand vous mettez le comment il s'appelle, le Season Manager. Au débarrage de la carte, ça vous supprime tous les champs. Il faut que vous ressemiez tous les champs. Donc c'est pour ça que je sème, j'ai rien à faire d'autre à part semer. Donc voilà, pour ça, donc ce sera une carrière en. On va pas dire no cheat, mais je vais essayer de jouer le plus réaliste possible. Je pense que ça va reprendre la place de la Hofbergmann, parce que dans celle-ci, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Je vais voir s'il y a possibilité de la faire en multi, s'il y a des gars d'intéressés pour jouer. Donc s'il y en a d'entre vous qui souhaitent jouer avec moi sur cette map, je prendrai un serveur, et on mettra la map sur serveur, excusez-moi, avec Pod, et on fera une carrière sur cette map. Et pour l'instant, je joue en solo dessus. C'est vraiment une map que j'attendais vraiment beaucoup. Donc là, oui, c'est pas très réaliste ce que je fais. Si on ferme les yeux, on voit rien. C'est vraiment une map qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire dessus. Donc on va faire tout ça. Donc voilà. Donc là, je vais déjà semer tous les champs avant de vous proposer une vidéo dessus, parce que sinon, ça va. Je pense que ça va vous lasser. Parce que là, j'ai vraiment rien d'autre à faire à part semer. Donc voilà pour ça, les amis. Donc juste voilà la petite présentation. J'ai rien d'autre à vous présenter. Je vais pas vous présenter tous les champs, tout. Voilà, à vous de découvrir après par vous-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà pour la présentation de la map, les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la map, un petit coin de campagne de Arsenic Modding vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde!